Bonjour à tous, ici Dingo Dorwan. Aujourd'hui, on va tester un support de téléphone pour voiture de chez Acefeist. Comme d'habitude, on va faire un petit tour de la boîte, le déballage et faire un petit test. Ici, on voit déjà l'image du produit, donc on voit que la fixation est quand même originale. C'est inclus dans la boîte le système pour le fixer à la grille d'aération de sa voiture. Mais bon, c'est pas compatible toutes les grilles. Si on a une voiture un peu spéciale au niveau des grilles, au niveau des formes des grilles, ce sera plus compliqué. Je vous mets une image pour que vous puissiez voir les grilles compatibles. Donc sur le côté, il n'y a pas grand chose, dessus non plus, en dessous non plus. Allez, c'est à l'arrière que ça se passe. Donc ils nous disent que on a des aimants très puissants. C'est pour utiliser les téléphones qui pèsent. Donc ça, il faudra faire attention à votre téléphone. Mais bon, là, ça tient quand même 500 grammes. Un téléphone de 500 grammes, j'en ai pas vu beaucoup. Sauf si vous voulez utiliser une tablette. Hein. Je pense que pour les tablettes, c'est un peu plus difficile ce genre de support, mais sinon ça tient le coup. De toute façon, c'est un système aimanté, il n'y a pas de taille requise au niveau donc au niveau du téléphone. Ça, c'est bien parce que j'ai eu des fixations que j'ai dû changer parce que ben mon téléphone était trop gros, voilà, donc j'ai dû changer aussi mon système. Donc là, c'est aimanté, donc il n'y a pas de problème. Dans la boîte, on a bien le manuel, une partie en français. Au niveau des accessoires, c'est expliqué mais en anglais. Voilà. Ici, on a la base donc à coller sur son tableau de bord. Donc on détache ça, on colle sur son tableau de bord. Ici, ils ont prévu un système pour enlever, décoller si on le souhaite. Ici, on a un système, bon, c'est comme une ventouse, mais c'est autocollant. Hein, donc, même si bah, la ventouse, on va entre guillemets lâche, vous avez ici, c'est collant. On ne va pas le coller sur son pare-brise. Bon, rien ne vous empêche de le coller sur son pare-brise, mais c'est pas trop fait pour ça. Vous pouvez le faire, mais... Le mieux, c'est bien sûr d'utiliser sa base. Donc la base ici, qui est autocollante, vous collez ça sur votre tableau de bord et vous collez ça et hop, ça reste assez joli. Ensuite, on a le support ici pour la grille d'aération. Donc c'est un système comme ça qu'on va insérer, puis on va visser. Donc un système comme ça qu'on va visser. Et qui va venir se fixer, voilà, et qui va rester stable. Voilà. Ensuite, on a le support ici. Donc ça, c'est le support principal pour ces deux accessoires. C'est dommage qu'ils nous ont pas mis deux comme ça de support. Ce aurait été bien, mais bon, c'est ça qui coûte le plus cher, je pense, dans le système. Donc on accroche ça comme ça et on clipse. Voilà. Et après, on n'a plus qu'à visser. Voilà. Et là, on fixe comme ça. Voilà. Bon, je trouve le support. Donc, c'est de la qualité. Hein. Vraiment, les matériaux utilisés, ils sont bons. Mais le prix aussi, c'est pas trop donné. Hein. Ça coûte. Donc, le prix conseillé, c'est 20 euros. Après, avec les promos et tout ça, ça peut diminuer. Mais sinon, ça coûte 20 euros. Donc, c'est le prix conseillé. Ensuite, on a une plaque métallique hein, en métal ici hein, qui est en noir, mais c'est bien une plaque métallique. Ça, c'est à coller sur votre téléphone. Donc, c'est pas à coller directement sur votre téléphone. Donc, il faut coller sur la coque. C'est mieux si vous voulez le coller directement. Si vous voulez coller directement la plaque métallique sur votre téléphone, voilà, il faut enlever déjà ça et il faudra utiliser ici le film. Statique hein, qui disent
On colle ça. Comme ça, on peut coller la plaque dessus. Faites attention parce que si vous collez directement sur votre téléphone, le problème c'est si vous avez la recharge sans fil, ça peut créer des bugs, surtout avec le grand support. Sinon, il sera conseillé de ne pas coller ça au milieu, mais de coller ça plutôt vers le bas. Mais si vous aimez vraiment pas coller les choses, c'est pas grave, vous avez une coque, hein. Je suppose que vous avez une coque de protection, si vous n'en avez pas, ben, achetez-en une, mais sinon vous avez une coque, vous pouvez placer, voilà, le système ici, donc le système métallique à l'intérieur, vous faites ça, voilà, le système est à l'intérieur, hein, donc il dérange pas, voilà, hop, et voilà, ça tient. Donc pas besoin, et ça tient vraiment très très bien. Hein. C'est comme si qu'il était collé au fait. Hein. Ça change rien puisque c'est la coque qui le cale. Voilà. Donc ça c'est vraiment pour ceux qui n'aiment pas coller quelque chose sur son téléphone. Allez, moi je vais tester ça. Donc au niveau de ma grille d'aération. Et je vais vous dire des nouvelles, et mon avis. Voilà, je vais vous faire quelques photos au niveau de l'installation. Voilà, maintenant j'ai testé ce support et ça fait quelques jours que je le teste. Vraiment, il m'a impressionné au niveau de son support principal que l'on voit sur la boîte ici. Je vais vous montrer des photos de l'installation au niveau de mon véhicule. Vous allez voir que esthétiquement, ça reste joli, même si c'est un peu gros. Mais bon, ça s'enlève, donc sans problème. Donc ce module-là, on peut l'enlever puisqu'il n'y a que la base donc, qui reste collée. Et ça, on peut l'enlever sans problème. J'aurais mis l'étiquette parce que ça reste collant. Et ce support-là, comme il est orientable de haut en bas et de droite à gauche, on peut facilement le bouger et l'orienter comme on veut. Et ça, je trouve ça super. Et en plus, c'est très stable, hein. Il n'y a pas donc les vibrations et tout ça. Donc, il disait vrai. Donc, c'est bien. C'est bien un support très stable qui résiste aux vibrations et tout ça. Donc, sur ça, j'ai rien à dire. Juste un petit bémol sur le support pour grille d'aération. Moi, sur mon véhicule, ça c'est un peu trop épais si je veux mettre sur la grille du milieu, mais bon, je peux mettre sur le côté gauche, ça passe sans problème. Et en plus, au niveau de la fixation, c'est vraiment très pratique et ça se clipse bien. Donc sur ça, j'ai rien à dire, c'est bien. Sauf que c'est un peu trop épais. Il faudra bien regarder si vous utilisez celui-là sur votre véhicule. Au niveau de la grille, je vous remets l'image. De toute façon, c'est l'image est disponible sur le site, sur le site. Donc, je l'ai acheté sur Amazon. Le prix conseillé de 20 euros. Pour moi, c'est validé. Donc, si vous voulez un bon support orientable et aimanté, bien sûr, parce que vous avez d'autres supports. Ce support-là, moi je peux vous le conseiller, il est top. Si vous avez encore des questions sur ce support ou autres produits que j'ai testés, n'hésitez pas à me poser des questions. Je vous réponds volontiers, hein, ça me fait plaisir de vous répondre. Hein. J'ai créé la chaîne et le blog pour ça, hein, tout simplement. Comme d'habitude, moi je remercie les anciens d'avoir regardé et les nouveaux de vous abonner. Un grand merci à vous. Moi je vous dis à la semaine prochaine, c'était Dingo Dorwan. I need your touch, and I will show you. Just one's enough. Our blood is flowing now, but no, go hard, but no, a spark, but no. What am I doing wrong? I feel your clutch.